1958, M contacte Sandoz, puis Albert Hofmann, pour identifier le principe actif du psilocybe. Hofmann, enthousiaste, isole la psilocybine. Désormais, Wasson, Hofmann et M associent leurs efforts dans l'aventure exploratrice des hallucinogènes. Cette même année, M et Wasson publient « Les champignons hallucinogènes du Mexique ». Pour se faire un peu d'argent, en 1959, le jeune Ken Kesey sert de cobaye à la partie visible de MK-Ultra et expérimente mescaline, psilocybine et LSD. C'est pour lui une découverte extraordinaire. Il décide rapidement de tout mettre en œuvre pour faire partager ce formidable outil d'illumination. Il transforme son quartier de Perry Lane à San Francisco en un lieu communautaire de fêtes permanentes où se mêlent musique, peinture fluo et comportements étranges. Man, it's a mad pad. De son côté, Timothy Leary est un jeune professeur de psychologie à l'université d'Harvard. Après avoir lu l'article de Life, il se rend au Mexique voir Maria Sabina en 1960 et vivre l'expérience des champignons. Sa vie en est radicalement changée et en rentrant de son séjour, il s'associe à Richard Alpert pour entreprendre des recherches universitaires sur les effets de la psilocybine. Il l'utilise avec succès dans le cadre de psychothérapie avec des détenus. Les Américains votent et John Fitzgerald Kennedy est alors élu président des États-Unis. Albert Hofmann rencontre Aldous Huxley en 1961 et Timothy Leary fait découvrir la psilocybine à Jack Kerouac. Dans un autre domaine, en 1962, Rachel Carlson, une biologiste, dénonce l'emploi des pesticides et l'emprise de l'industrie chimique sur le monde agricole. Elle initie l'écologie politique avec la publication de son livre « Le printemps silencieux ». Monsanto lance alors une vaste campagne pour détruire sa réputation. Ken Kesey, de son côté, publie « Vol au-dessus d'un nid de coucou » sur l'univers psychiatrique et Aldous Huxley « Island » qui décrit une société utopique où les rituels hallucinogènes font partie de la formation initiale. Chacun de ces ouvrages est un succès. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.